on a un gros pincement au cœur, hein, parce que vous savez qu'en tant que directeur général des MSC France, le développement de ce marché français, il s'est fait par Marseille. C'est quand Marseille s'est développé, qu'on a eu l'infrastructure, le terminal comme nous l'avons aujourd'hui, toutes ces facilités, les transports, hein, le TGV rapide jusqu'à Marseille, l'aérien, tout ça nous permet d'amener tous nos passagers de France, mais même à l'international sur Marseille. Et c'est vrai que quand je vois aujourd'hui le fleuron de notre flotte à Marseille, oui, j'ai un gros pincement au cœur parce que c'est une grande fierté et je le sens bien, je le vois bien, un développement incroyable, un attrait incroyable pour ce nouveau produit et puis aussi pour tous les autres produits de la flotte que l'on voit déjà après une semaine sur le marché. On voit bien le push des ventes qui est spectaculaire. En 10 ans, en fait, on a là maintenant dans les carnets de commandes, après le Meraviglia qui est le premier d'une série en fait de nouveaux navires, on a encore 10 nouveaux navires qui vont sortir des chantiers navals dans les 10 prochaines années. C'est un investissement global avec le Meraviglia de 9 milliards d'euros. Imaginez un peu, c'est absolument époustouflant, 9 milliards d'euros sur un programme de 11 navires pour une entreprise privée. Mais si nous avons ce programme et un programme aussi riche, c'est parce que nous croyons vraiment au développement de la croisière. D'abord en Europe, puisque c'est notre vocation première, mais également ensuite, nous allons exporter ce savoir-faire européen de la croisière vers le monde entier. Ces spécificités, évidemment, c'est la structure même du navire, parce que là, on est vraiment dans l'innovation. Et ce que j'aime à répéter, c'est que c'est une innovation à l'européenne. Ça veut dire que, ça y est, une compagnie européenne peut quand même innover de façon fulgurante, j'ai envie de dire, parce que c'est vraiment le terme, sur ce navire. Alors la particularité, si on prend maintenant des points précis, c'est évidemment cette rue centrale à l'intérieur du navire. On peut la découvrir, une rue centrale sur plus de 2 étages de niveau, qui est longue en fait de quasiment 100 mètres. Et donc sur cette rue, le long de cette rue, sur 2 étages, vous avez des restaurants, des salons, des magasins, et donc vous avez vraiment un effet qui est surprenant. De plus, cette rue, elle est chapeautée en fait par un dôme qui est en fait un immense écran LED sur les 100 mètres de long. Et c'est comme un immense écran de télévision qui nous permet finalement de projeter des ambiances, un feu d'artifice le soir, des plafonds extraordinaires dévoilés par des cathédrales qu'on a reproduits. Et donc, toute une multitude de choses qu'on peut projeter sur le plafond et qui permet de donner une ambiance à cette rue qui devient vraiment le centre, le cœur de l'animation de ce navire.